27.0.1. Paladin. Bonjour tout le monde, c'est Bonhomme. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de Paladin of the Sky. Et on se retrouve avec cette magnifique musique qui est Analytics, le restaurant d'où on s'était laissé la dernière fois. Donc j'ai tout de suite résumé. On avait continué dans la tour du regret, vous vous souvenez, on était au 4e étage. On devait aller au 6e étage ensuite, après avoir terminé cette épreuve. On avait fait le dernier défi pour avant de sortir du paradis qui était Stella, un combat assez pénible quand vous le faites au début. Un combat où est-ce que les spells sont aléatoires si vous vous souvenez. Ensuite, après avoir battu Stella, on était revenu dans le monde réel et Russ avait refait son rêve de... où est-ce qu'il se retrouvait dans Hades. On avait fait un bout de chemin et ensuite on s'était retrouvé avec Kelly. Et on avait battu quelques boss dans le restaurant, je me souviens plus c'est qui là. Un peu des boss avec pas vraiment de personnalité là. Dont un qui nous fait perdre de l'XP si je comprends bien, mais qu'on garde la même XP. J'ai pas trop compris ce truc là. Et on va tout de suite continuer. Donc j'ai fait beaucoup d'XP hein. J'ai pris un nouveau sort. Incarnation de la justice quand il traduit. J'ai activé ça. Traduction aussi. Activée. Écho clavier par caractère désactivé. Voilà. C'est gentil faire ça. Alors ouais, c'est il traduit incarnation de la droiture, c'est plus genre incarnation de la justice là. C'est un sort assez puissant mais pénible à faire, vous allez voir. Fuis. On va faire. Miam miam, j'adore manger ce bois. Les échardes lui donnent une grande saveur. C'est un peu bizarre. Lâche. Si. Utiliser un parche. Je vais faire de l'XP. Je vais faire une pause pour faire de l'XP. Incarnation. 2. 3. Kelly lance une incarnation. C'est 95%. 485 sur 1110. Défendre. Utilise ses anneaux. 2, 3. Kelly jette. Non. Je. Si ça sort comme ça dès le début, non. 345. Marché d'Oxopolis. J'ai 26 défense. 111 force. 8 impact. Ouais, non. Si je continue de même, ça va pas le faire. Ouais, non, je suis gougoune, moi, là. Information. Ah, non. Voudriez-vous guérir? Oui. Non. Souhaitez-vous... Non. 1110 sur 1110. Voilà, vous voyez que j'ai 1110 HP, hein. C'est pas rien. Fuis. 1110 sur 1110. J'aime bien ce petit air genre à la guitare slash nombre de fuyer. J'aime bien. Je redescends. Qui est là? Miam miam, les... La chute utilisée un... 1, 2, 3. Embodiment of righteousness! Kelly jette une incarnation parfaite de la droiture, infligeant 9 dégâts. Et la droiture? C'est 56%. Utiliser un défendre. Je pense pas que ça va être possible. Utiliser un c'est un incarnation. Embodiment of righteousness. Kelly jette une incarnation parfaite de la droiture, infligeant 9 dégâts. Non. Ok. Est-ce que j'allais faire?
Je fais un pause, je vais faire un peu d'XP. Démarrer, mode, paramètres, quitter, bouton. A tout de suite. Mélangeur, audio, curseur, de, muet, audio, propriété, curseur, muet, mig, commande, fun. Mélangeur, audio, commande. Mélangeur, commande, fenêtre. Mettre en pause, non coché. Mettre en pause l'enregistrement. Non coché. Mettre en pause l'enregistrement. Parler d'indus. Bon, rebonjour tout le monde. Niveau 40. Je vais faire l'XP, je suis rendu niveau 40. 1200 sur 1200. J'ai 1200 HP. 29 défense. 29 défense. 120 force. 120 force. 8 impact. Et 8 impact en toujours. Là, ça devrait passer. Utiliser un parche sélection incarnation de la droiture. Yeah! Embodiment of righteousness! Qu'elle incarne parfaitement la droiture, infligeant 8 points de dégâts. Sélection. 626 sur 1200. 60%. Utiliser un parc sélectane incarnatif. Oui. Oui, ça va passer. Yes. La chute sélectionnée votre déménage. 56%. 9 sur 1200. Utiliser un parc sélectane incarnation de la droiture. Yeah. Appuyez sur. Parfois. Je suis sûr de l'avoir réussi le sort, mais je réussis pas, je sais pas pourquoi. J'ai particulièrement de la misère avec celui-là. Un hyper fuit. Fuyez. Miam miam, les échats. La chute utilisée. Embodiment of righteousness. La chute de 60%. Utilisez cette incarnation. Yeah. Qu'elle incarne parfaitement la droiture, infligeant 8 points de dégâts. La droiture. Sélectionnez 37 sur 1200. 20%. Utilisez cette attaque. Yeah. Qu'elle y lance une attaque. Ah, oh, sérieusement. Appuyez sur. C'est en cours de charge. On va leur commencer plein de fois ce combat. Fuyez. Je parlais de combat compliqué au début du let's play là. On commence à aller dedans. Et vous allez voir, celui-là, c'est vraiment pas le plus compliqué. Hein. Fuyez. Miam, les. La utiliser un parche sélection incarnation de. Yeah. 2, 3. Hop. 2, 3. 2, 3. Embodiment of righteousness. Qu'elle y jette une incarnation parfaite de la droiture, infligeant 9 dégâts. Voilà, vous pouvez compter comme les secondes si vous avez de la misère avec les spells. Ça, c'est. 56%. 582 000. Hey boy, il faut pas que je me reprenne une mauvaise mal. Mais une malchance de mal. Utilisez cette incarnation. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Embodiment of righteousness. La chute sélectionnée 10%. 74 sur 2. Utilisez cette incarnation. 1, 2, top. Kali, jette une. Oh yes! Yes! Je l'ai raté, mais j'ai réussi quand même le combat, yes! Kali a reçu 1000 pièces. Ouh. 74 sur 1200. Niveau 40. Kali est au niveau 40. Kali a besoin de 1513 points d'expérience pour...
fuyez. Enfin, j'ai passé ce combat. Mais j'ai expliqué pendant je sais pas combien de temps là. Vous me connaissez, je pense. Un dragon fuit. La plupart qui me connaissez savaient que je n'aime pas du tout ça, faire de l'XP pour faire de l'XP. Juste pour faire ça, c'est vrai que ça m'énerve un peu. Je... 1200 sur 1200. Il nous en reste un. Et nous quittons enfin ce foutu de restaurant. Est-ce que je sache? Je me souviens plus trop de ce endroit, mais je pense que c'est le dernier combat. Est-ce que je me souviens, là? Andrfuyé. Utiliser ces incarnations de. Yeah! Le créa sélectionné 99%. Si je fais 1081 sur 1200. Si je fais ça, ça utiliser ces incarnations. Yeah! Quel il sélection utiliser sélectionné incarnation. Yeah! Le créa sélectionné. Appuyez non. Sur entrée. Fuis, utilisez, fuis. Fuyez. Là, maintenant, permettez-moi d'essayer de savoir si cela a du sens. Maintenant, là, analytique, drôle de nom pour un restaurant. Je vais vous faire écouter quand même son texte. Là encore, drôle de restaurant pour un nom. Maintenant, permettez-moi d'essayer de savoir. Créateur d'erreur vous a mis au défi de vous battre. C'est d'utiliser un parchemin dragon, c'est une incarnation de la... Yeah! Embodiment of righteousness. Qu'elle incarne parfaitement la droiture, infligeant 97 points de dégâts. La droiture. Pourquoi ça traduit la droiture? Sélectionnez votre démon 91%. 1091, utilisez ces intacts. Yeah! Qu'elle y jette une. Ah! 86%, utilisez ces intacts. Yeah! Quelle c'est les 81%. 840, utilisez cette attaque. Yeah! Sélection, utilisez un parchemin. Ah, moi, je comprends vraiment. Appuyez sur en cours de. Genre, vous êtes. Peut-être même moins d'une milliseconde en retard, ça passe pas. C'est un peu compliqué parfois. Fuyez. Surtout avec des bips qui sont vraiment à l'écart comme ça, là, à 3 secondes d'intervalle, c'est vraiment compliqué. Fui. Analytique, là on va créer, utilise cette incarnation de la droite. Yeah! Qu'elle incarne parfaitement la droiture, infligeant 103 points de dégâts. Oh! Le créat, c'est les 90%, 1081 sur 1200. Utilise Sant Incar. Yeah! Embodiment of righteousness! Qu'elle incarne parfaitement la droiture, infligeant 91 points. C'est les 81%, 949 sur 1200. Utilise Sant Incar. Yeah!
embodiment of righteousness. C'est 72% utilise cette attaque. Yeah! Embodiment of righteousness. Le créateur c'est utilise attaque. Yeah! Embodiment of righteousness. C'est 53%. 598 sur 1200. Utilise un pack. Yeah! Embodiment of righteousness. Le créat c'est 45%. 492 sur 1000. C'est peut-être faisable. Utilise cet un pack. Yeah! Ah non. 40%. 377. Utilisez un parc sélectionné. Yeah! 35. Embodiment of righteousness. Sélectionne 31%. Utilise cette un parc. Yeah! Sélectionné 29%. 132 sur 1000. Non, je pense pas que c'est utilisé. Yeah! J'étais presque. Appuyez sur entrée. Je vais refaire encore un niveau. Mélangeur commande fenêtre. Mettre en pot. Non coché. Mettre en parler d'indus. Traduction. Traduction at. Rebonjour. Réessaye ce boss. J'ai pris un niveau. Fuyez. On est rendu au niveau 41. Fuyez. Et Kelly n'a pas encore d'autres attaques. Bon, je pense qu'avec un point de défense en plus et un point et 30 points de vie en plus, ça peut le faire. Vu que ton est proche. Analyse la map. Créa, utilise ses attaques. Un... Yeah! Deux. Trois. Embodiment of righteousness! Kelly incarne parfaitement la droiture, infligeant 90 points de dégâts. C'est 91%. 1113 sur 1230. Utilisez ses attaques. Un... Yeah! Embodiment of righteousness. Kelly incarne parfaitement la droiture, infligeant 98 points de dégâts. Le crit, c'est 82%. Utilise c'est un yeah. Kelly. Oh. 79. C'est encore un de ces trucs que je sais pas pourquoi ça a pas passé là. Utilisez c'est un yeah. J'ai de la chance. Kelly incarne parfaitement la droiture, infligeant 110 points de dégâts. Le jus, énormément de chance par contre. 68%. 768 types, c'est un trait. Yeah! Embodiment of righteousness. Kelly jette une incarnation parfaite de la droiture, infligeant 108 points de dégâts. Sélectionnez votre déménage. 57%. 653 utilise un pack. Yeah! Embodiment of righteousness! Okay. C'est 47%. Utilise un pack. Yeah! Embodiment of righteousness. Kelly incarne parfaitement la droiture, infligeant 97. Le c'est 38%. 448, c'est un. Yeah! Kelly lance une incarnation. Ouais. Appuyez sur entrée pour. C'est en.
Encore là, ça aurait dû passer, ça ne l'a pas fait. Fuyez. Analyse la honte maintenant. Créateur d'erreur, vous utilisez les apps incarnatives. Yeah! Kelly jette une incarnation. Ah oh, non! Appuyez sur entrée. Trente défense. Créa utilise un pack. Embodiment of righteousness. Kelly incarne parfaitement la droiture, infligeant 101 points de dégâts. Le créa c'est 90% utilise un pack. Kelly incarne parfaitement la droiture, infligeant 88 points de dégâts. Le créateur d'erreur attaque. C'est les 82%. Tu pourrais pas faire tes gros dégâts que tu faisais. Utiliser un parchemin, 1100 sur 1230. Roule, utiliser, c'est un incarne. Yeah! Le créateur sélectionne votre démon 80%. Utiliser un parchemin, c'est un incarne. Yeah! Kelly lance une. Appuyez sur entrée. Je commence à être tenu de rater mes sorts. Non, désolé pour ce moment, pas très intéressant. Fuyez. Fuyez. Analyse la map. Créa utile, c'est un yeah! Embodiment of righteousness. Kelly incarne parfaitement la droiture, infligeant 104 points de dégâts. Le crit, c'est 90%. 1113 sur 1230. Utile, c'est un yeah! Kelly incarne parfaitement la droiture, infligeant 98, le c'est d'extranché à rouler, utiliser un yeah! Embodiment of righteousness. Kelly incarne parfaitement la droiture, infligeant 94 points de le 71%, 887 sur 1000, utile sélection un yeah! Kelly incarne parfaitement la droiture, infligeant 111 points de dégâts. C'est 60%. Utilise ses attaques incarnées. Le créateur d'air sélectionné votre 58%. 668. Utilise ses attaques. Embodiment of righteousness. 48% utilisé. Yeah!
embodiment of righteousness. Pas beaucoup parce que je le crit, c'est 39%. 423 utilise c'est 25. Yeah. Embodiment of righteousness. Kali incarne parfaitement la droiture, infligeant 88 points. Le c'est 30%. 307 sur 1000 de utilise 25. Yeah. Kali incarne parfaitement la droiture, infligeant 106 points de dégâts. Le 20%. 192 de 1000 utilité, c'est infra. Sélectionné 18%. 91 de 1230. Utilisé infra. Embodiment of righteousness. Kali jette une incarnation parfaite de la droiture, infligeant 109 points de dégâts. Appuyez sur... Ce que je fais, c'est que je vais vous reprendre quand j'ai arrivé au... 20-10%, là. Aube 27.0.1, 64 bits. Mélangeur, commande fenêtre. Mettre en pause l'enregistrement, case. Pas que vous ayez toujours à vous retaper le chemin. Non coché. Mettre en pause l'enregistrement. Parler d'un du ciel. Vous êtes à 9%. 9%. Utilisez un parchemin. Là, ça devrait passer. C'est les... Yeah. Embodiment of righteousness. Kali incarne parfaitement la droiture, infligeant 92 points de dégâts. Créateur d'erreur vaincu. Enfin. Kali a reçu 1000 pièces. Il est beaucoup fait que je vous ai pas montré. C'est pas la fin? Fuyez. What? Roulez les défuyés. 1719 coins. Saut. Kali est au niveau 41. Kali a besoin de 1935. Ah, c'est à tout ce combat là. Ok, ça va être joyeux. Soudain, le rêve s'est dissous. Ah. Je pouvais ici rire j'adore, mais cela ne semblait pas lié à mon rêve précédent ni à celui dans lequel je serai le prochain. J'étais dans un nouvel endroit maintenant, chaud, sombre. Information sur le jeu. Sauf. Information. Sauf. Voilà. Kali a trouvé une poussière galactique. Je enregistre. Vous êtes au deuxième étage. Arrête ça, non, non, criai-je au pied du démon qui me tourmentait. On m'a de nouveau montré les images du tueur de mon père au paradis et de mon père ici. Cette fois, cependant, ce n'était pas Stella au paradis, mais j'adore. Arrête, je connais la vérité, je sais. Alors dis-le idiot, la voix démoniaque rappait. Dis la vérité. Il ne peut pas, vous le torturez, dit la voix de Kali. Que diable dit le dieu démon surpris. Nous sommes les amis de Rose, dit Shona, rejoignant maintenant Kali. Cécile, Lucie et Gabriel ont suivi. Nous sommes là pour toi Rose. La torture a été arrêtée alors que l'être démoniaque concentrait son attention sur les intrus. Préparez-vous à mourir. Il sélectionnait le personnage actif. Cécile, Kali, Lucie, Shona. Shona. Le seigneur des enfers vous a défié dans une bataille. Sélectionne. Alors ce combat, il est très spécial. Utilise c'est Anne, Giga Candela, Basse Pao. Hi-ya! Le seigneur des enfers attaque Shona, infligeant 8 dégâts. Sélectionne 100%. 243 sur 251. Vos règles ne lui feront aucun dégât. Utilise un giga. Hi-ya!
Comment nous le battre alors? 236, le type c'est pas plus. Hiya! Giga Candela! Oh, ça lui fait rien. Jonah lance une parfaite Giga Candela, infligeant 6425 points de dégâts. Ah non, c'est bien fait des dégâts. Sélectionné 100%. Oh, quoi que ça le laisse à 100%, non. 227 sur 251. Vous allez voir que c'est aussi bien. Giga... Hiya! Le seigneur des enfers Shona a obtenu un 13, mais l'attaque a... D'accord, faut le mettre quand même un certain... Genre 99 ou un truc de même. Arrête ça, non. Alors, dis, il ne peut que dire. Nous sommes là. Prépa, sélectionnez le Lucie, Shona. Le utilise cette anne, j'ai. Hiya! Giga Candela! Shona lance une parfaite Giga Candela, infligeant 6631 points de dégâts. Le seigneur sélectionne, utilise cette anne, Giga. Hiya! Shona lance le seigneur sélectionne 100%. 235 sur 251. Utilisez un select anne giga. Hiya! Le select 100%. Utilisez un. Hiya! Giga Candela! Mélangeur commande fenêtre. Mettre en pause l'ordre par l'aide du ciel. Je vais juste aller voir si j'avais bien remis le select 100%. 221 sur 8 types. Hiya! Shona lance une parfaite Giga Candela, infligeant 5006. Le seigneur sélectionne c'est pas. Hiya! Le sélectionne c'est pas. Hiya! Shona lance sélectionne 100%. Utilise pas. Hiya! Shona lance une Giga sélectionne 100%. 188 c'est pas. Hiya! Sélectionne Hiya! Le select utilise un. Hiya! Giga Candela! Le sélectionne utilise un. Hiya! Giga Candela! Le seigneur select utilise un. Hiya! Le set sélectionnez votre 100%. 152 sur Utips. Hiya! Le sélectionnez Utips. Hiya! Giga Candela! Le seigneur sélectionne 100%. 137 Utips. Hiya! Le seigneur des ans sélectionne utile. Hiya! Giga Candela! Le seigneur des sélectionne utile. Hiya! Shonal. Le sélectionne 100%. 114 sur 250 utile. Hiya! Le sélectionne utile. Hiya! Le sélectionnez votre déménagement. Utile sélectionne. Hiya! Shona lance une Giga Candela descente, infligeant 1302. Le sélectionne 100%. Du type Anne. Ok, marche fort. Giga Candela! Le seigneur des enfers sélectionné 100%. 82 sur du type Anne. Hiya! Giga Candela! Shona lance le seigneur sélectionné du type Anne. Hiya! Candela!
Jaune alors, le Seigneur sélectionne 8. Un, Hiya! Le sélectionne 8. Un, Hiya! Giga Candela! Le Seigneur sélectionné, utilisez un porte-cet. Un, Hiya! Sélectionne 8. Un, Hiya! Sélectionne, utilisez un. Hiya! C'est utile, défendre, utile, un. Hiya! Giga Candela! Le Seigneur des Anges, sélectionnez votre démé 100%. 21 sur 200, c'est utile. Un, Giga Candela! Hiya! Sélectionne, utile, un. Hiya! Giga Candela! Le Seigneur des Enfers. Pourquoi vous ne comprenez pas les imbéciles? Je suis immortel. Final shot! L'attaque de Rose a paralysé le Seigneur des Enfers. Oui, j'ai crié. Est-ce que quelqu'un se rend compte à quel point ce rêve est foutu? Demanda Gabriel. Seigneur des Enfers vaincu. Shona a gagné 10 000 points de... J'étais sur le choc. Shona a atteint le niveau 39. Kelly a atteint le niveau 42. La... Cécile est passée au niveau 32. La... La... Jonah a reçu 200 pièces. Je me suis réveillée de mon cauchemar à 2h du matin. Je me tendais et me retournais, essayant d'obtenir le don du sommeil. Finalement, il est venu. Pendant ce temps, plus de 4 étages plus haut, les employés de Paladin restaient éveillés. Deux opérateurs de machines discutent paresseusement de points d'intérêt aléatoires tout en sirotant un café, surtout en essayant de rester éveillés. Quelle heure est-il? 3h53. Dave a répondu endormi. Bye, pourquoi ne peuvent-ils pas faire un système de surveillance infaillible aussi bon que le pilote automatique? Dave s'est plaint. Erg, tais-toi, j'ai mal à la tête. Rodney grogna. Chérie, désolé, j'en ai marre, tu serais ton cas, Dave. Traduction. Chez H, sorry. Traduction acte. Ouais, garde-le pour le juge, dit Rodney en soupirant. Pour le juge. Je souhaite juste que nous soyons des passagers, profitant du vol, ou au moins de bons lits chauds. Rodney binait avec boredom. Maintenant, c'est à mon tour de te dire de te taire, dit Dave, un soupçon d'enjouement envahissant son discours. Et, qu'est-ce qui vient d'apparaître à l'écran? Rodney a demandé. Oh, c'est un avertissement, dit Dave. Oh oh. Mince, dit Rodney. Virus détecté, antivirus paralysé, l'utilitaire de correction automatique ne fonctionne plus correctement. Il y aurait un problème dans le système du Paladin, ce qui n'est pas bon du tout. Le hachage de vérification du pare-feu ne correspond pas. Ressources requises manquantes, flictement.bal. Dave jura. Faites quelque chose, faites venir le technicien de réparation ici. Rodney aboya, prenant le contrôle. Droite dit Dave en se levant de son siège. Ok, la restauration du système prendra 4 minutes. Rodney. En 2 minutes, le technicien de réparation est arrivé. Mademoiselle Nancy Black a commencé à chercher les deux opérateurs dès qu'elle est entrée dans la pièce. Quelle était cette chute sévère à l'instant? Le technicien de réparation a demandé. Nous restaurons les systèmes pour éliminer un virus, j'en connais beaucoup sur les ordinateurs, dit Rodney. Arrêtez, abandonnez, abandonnez, elle a crié. Nous toucherons sûrement le sol avant que les systèmes ne finissent de restaurer. Avec tout le respect, nous sommes censés être certifiés pour fonctionner pendant 4 minutes et 30 secondes avec une puissance minimale, Rodney a expliqué. Non, la dernière fois que j'ai entendu, c'était 3 minutes. Elle a... Nancy, je dis. Fais-le, elle cracha et Rodney s'exécuta. Les systèmes ont été redémarrés, ils sont en ligne, dit Rodney. Bon, alors voyons quoi faire, dit-elle, plus calmement. Allons chercher Cheverne. Quelques minutes plus tard, le réalisateur Simon Cheverne entra dans la pièce. Quelle est la situation? Il a demandé. Infection virale, monsieur, Dave a répondu. Infection virale. Droite dit Cheverne. Un virus a infecté le système du Paladin of the Sky, donc. Faites une restauration des systèmes. Un bon vieux virus informatique. Nous avons essayé, mais Miss Black a insisté sur le fait que nous n'avions pas la certification pour nous passer des systèmes pendant plus de 3 minutes. Elle nous a dit d'avorter. Ah bon, les traductions sont pas non plus exactes, elle nous a dit d'abandonner. On peut y aller plus longtemps, dit Cheverne. Faites une restauration des systèmes. Le virus a infecté l'utilitaire de restauration du système maintenant, nous ne pouvons pas. Oh. Mince, Simon Cheverne jura. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est de ma faute. Miss Black pensa en elle-même. La catastrophe imminente aurait-elle pu être évitée si j'avais écouté Rodney? Cheverne enfonça son poing dans sa jambe avec frustration. Droite, il pensait. Donc, nous pourrions éventuellement notifier. Non, il ne faut pas alarmer les passagers. Ils ont le droit de savoir. La température monte, monsieur, dit rapidement Rodney. Il semble que le virus se soit attaché à l'application de contrôle de la température. L'esprit du vieil homme revint instantanément à cet après-midi.
Je sais qui est responsable de Sadie Simon Cheverne. Ah bon, demanda Rodney. Je ne sais rien de Lissauf à quoi il ressemble, mais cela nous donne un point de départ. Si nous pouvons le localiser, nous pourrons probablement conclure un accord ou quelque chose pour neutraliser le virus. Vous devrez travailler vite, dit Dave. Mais si quelqu'un peut arranger ça, c'est vous, monsieur. J'étais épuisé par le rêve, donc je n'ai pas senti l'engin s'effondrer pendant la restauration des systèmes. Je n'ai pas non plus entendu le ping de l'annonce PA. Je ne sais pas pourquoi maman ne l'a pas entendu et ne m'a pas réveillé, mais elle devait juste être dans un sommeil trop profond. Heureusement, l'annonce PA n'appelait à aucune action de la part des passagers, comme, pour citer l'annonce. Tous les problèmes seront résolus sous peu et vous pouvez être assuré que votre sécurité est notre principale préoccupation. Je fus cependant réveillé par un coup frappé à la porte une quinzaine de minutes plus tard. Ma mère se leva de son lit moelleux pour ouvrir la porte. Oh, salut monsieur Cheverne, que puis-je faire pour vous? Elle a demandé. Et, Rose est là, il a demandé. Ouais, je suis juste ici, dis-je groggy. Groggy, ok. Bonjour Rose, tu as entendu l'annonce PA, je suppose? Il a demandé. Non, quelle annonce PA? J'ai dit confus. Les systèmes de Paladin ont été infectés par des virus, il a dit. Oh, c'est, j'ai dit. C'est mauvais, non, demandai-je bêtement. Bien sûr, Cheverne a répondu. J'ai besoin de l'aide, du pouvoir d'un alphelin. J'ai besoin que vous m'aidiez, aidez Paladin, aidez tous les alphelins du vaisseau. Nous devons localiser l'agresseur. Cheverne a ensuite donné une description de l'homme. Et, on l'a vu hier, m'exclamai-je. Name's Pierre. Pierre, Cheverne Asked. Il rassemblait intentionnellement la paix. Je savais que l'homme avait l'air familier. Il s'agit de Pierre Dragonia, chef de l'opération de destruction des alphelins. Quel GLT. Il doit être sur nous, dit Cheverne. Vous devez le trouver avant toute la paroisse des alphelins. Quelqu'un dit avoir vu un ou plusieurs messieurs à l'air suspect entrer dans la chambre de stockage, nous l'appelons la chambre basse. La chambre basse est accessible par les escaliers qui descendent de l'aile. Allez-y, et merci encore. Je te le dois pour ce que tu as fait pour moi la nuit dernière, dis-je sincèrement. Cheverne s'écarta, révélant mes amis qui m'attendaient. Salut Rose, dit joyeusement Lucie. Surprenant dans les circonstances. Ravi de vous voir tout ici, dis-je joyeusement. Je ne peux pas venir avec toi, dit soudain Gabriel. Pourquoi jamais, nous avons besoin de vous, dis-je en le pensant. Je ne l'avais pas réalisé, mais à travers toute cette épreuve, j'avais surmonté le problème que le garçon avait causé hier. Je commençais à aimer le gamin, en fait. Je dois rester et protéger ma mère, dit Gabriel. Votre mère ira probablement bien, dit Cécile d'un ton réconfortant. Non, c'est dangereux, dit Gabriel. Je pourrais rester avec elle, Lucie renchérit. Nous avons aussi besoin de toi, Lucie, j'ai soutenu. Quelqu'un doit rester avec la mère de Gab, et je suis plus susceptible de pouvoir la protéger que Gabriel, sans vouloir vous offenser, dit Lucie. Bien, s'il le faut, dis-je, agacé. Prends bien soin de maman, Gab. Ne vous inquiétez pas, elle est en sécurité entre mes mains. On va faire le truc de la première réelle, puis je pense qu'on va s'arrêter après parce que ça va commencer à être un peu long. Et voilà. Catastrophe, on change de musique. Donc on n'a plus vraiment la musique des étages résidentiels. Un passager effrayé de fuyer. Et oui, maintenant, les ailes, mais pas les ailes, mais... les étages résidentiels et les aires de récréation ont des rencontres aléatoires. Il y a une musique assez que j'aime bien. Elle. Oh, puis même les ailes ont une musique différente. Chambre basse. Et c'est là qu'il y a une des énigmes que je déteste. Fuyez. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, la porte est barrée. La porte est verrouillée. La porte est verrouillée, elle ne bouge pas. Si je me rappelle bien, il faut le trouver. 5 fragments de clés.
Fuyez. Jonas. Jonas. Un emploi fuyé. Ok. Ça me sont là les derniers fragments. Oh. Je t'ai mis des rencontres aléatoires. C'est où déjà, je suis sûr. Fuyez. La porte est verrouillée. Cette zone-là est rageante, là. Ah!
Jonah a trouvé un fragment clé. Un fragment clé. Un rock clé. Okay. Allons ouvrir la porte. La porte est... Vous utilisez les fragments de clés pour déverrouiller la porte. Informat... Sauf... Je enregistre... Le truc qui fait plaisir... Sélection parchemin Dragon Strike. Sac. Article. Le médical. Trophée. Vous n'avez pas. Trésor. Passeport. À... Oh. Mélangeur audio. Commande fenêtre. Mettre en pause. Non coché. Mettre en pause l'enregistrement. Mélangeur audio fenêtre. Muet. Commande fenêtre. Mettre. Paladin du ciel. Sélectionnez bon. Une option. Ah, bonjour. Alors, vous savez, pour ceux qui. Tu veux faire une copie de votre sauvegarde, là? Alors ça, j'ai pensé, je vais peut-être vous le dire, la démarche, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, alors il faut taper, faites Windows R, vous tapez APPDADA TA, ouais, APPDADA TA. Vous faites Enter et vous allez dans... Attends, je vais faire en même temps. Exécuter dialogue, entrez le nom d'un programme, dossier, document, ressources... Exécuter dialogue. Traduction désactive. Abdata. Abdata lead. A T A D P P A A P P D A T A lead. A T A D P P A P A. Abdata. Abdata sélection. A P A P A. Bureau liste. Abdata fenêtre. Voilà, vous mettez A majuscule P P A D A T A. Vue d'éléments liste. Roaming. Vous allez dans roaming. Vue d'éléments. Et vous faites VGS. Et vous faites V pour aller dans VGS.com. Vous allez dans Children of Dragon parce qu'en fait, Paladin of the Sky a été prévu pour être intégré dans Children of Dragon. Paladin of the Sky. Et vous copiez ce qui s'appelle save.sav. Si vous avez d'autres jeux de VG Storm, vous pouvez copier genre Manamon, Manamon 2, The Gate, Psycho Strike, ouais. C'est pas mal les jeux que vous pouvez copier la sauvegarde à partir de ça. Je sais pas si ça va s'appeler save.sav, je sais pas que pour Manamon, Manamon 2 c'est data.dat, mais je sais pas pour les autres. Pour Adventure T, c'est une autre démarche, je ne sais pas. Donc voilà. Juste vous faire un petit tuto, comment faire une copie de sa sauvegarde. Par contre, je réactive ça. Traduction activée. Voilà, je fais un petit tuto en let's play, hein, c'est... J'espère que ça va servir à quelqu'un. De toute façon, comme je dis, si vous avez un truc, si vous voulez me poser une question à propos des jeux, de ça, de comment je fais pour faire tel truc, vous, n'hésitez vraiment pas à me poser. Hein. Le sujet sur le salon est là pour ça. Tiens, je vais aller où? Fuite. C'est la zone d'attente. On dirait une impasse d'ici. J'ai vu un chemin à l'extérieur, mais il était bloqué par un effondrement. Il doit y avoir un autre moyen. Quelle partie du navire est aussi basse? HMMM. Où nous sommes entrés. C'est le point le plus bas du navire auquel je peux penser. La zone d'entrée et de sortie. Il y avait une porte verrouillée là-bas. Peut-être qu'il se connecte à la chambre inférieure.
On va pas aller là tout de suite. Alors, ça, c'est une zone... Quoique... C'est vrai, il y a pas mal d'objets ici. Fuyez. Un aviateur hyper vous a fui. Un employé fui. Un employé fui. Alors, on va faire toute la ligne. Jonah a trouvé une potion de guérison. Un aide fui. Jonah a trouvé une potion de guérison. Jonah a trouvé une potion de guérison. Jonah a trouvé une potion. Fuis. Si vous avez un objet caché, on va pas le prendre tout de suite. Jonah. Fuis. 3183. Jonah a trouvé une potion. Fuis. Fuis. Jonah a stocké la potion. Jonah a trouvé une potion de guérison. Jonah a stocké. 257 sur 257. Chevron de zone occupe. Hop studio haut-parleur. 1h37 minutes. 47. Parler d'un du. Route fuyée. J'ai encore de la batterie. 47%. Jonah. Fuyée. Fuyée. Fuyez. Un net. Jonah hop. 233 sur 257. Pour la suite, je vais faire beaucoup d'XP pour Shana parce que je sais ce qui s'en vient. Fuyez. Un fuyez. Un adit fuit. Sauve. Je devrais trouver un autre moyen de continuer à explorer la chambre basse. Cet autre moyen, je vais vous montrer tout de suite et après on va s'arrêter par contre. Cette musique est quand même bien, hein. Étage de loisirs 4. Fuyez. Salon des lignes. Étage de... Fuyez. Ce salon est dédié au bonheur de l'équipage, pas des... Quoique... Fuyez. Il faut faire quelque chose avant. Salon d'hélium. Étage... D'hélium. Quoi de l'hélium? Fui. Centrale de contrôle. Y'a quoi ici?
Je suis en pleine exploration là. Il y a quoi ici? Est-ce qu'il y aura un boss quelque part? C'est un truc que j'ai jamais fait. Jonah a trouvé une tasse à café. Jonah a rangé la tasse à café dans la poche très azur. Si vous ramassez tous les trésors, vous avez une cinématique de fin spéciale, il paraît. Et, si tu connais une fille qui s'appelle Kelly, dis-lui que j'aimerais lui parler. Attends. Sélectionne marche, faire la fête. Sélect Kelly. Ah, Kelly ma chérie, l'homme a dit. Oh non. Excusez-moi, est-ce que je vous connais? Kelly a répondu. Non, bien sûr. L'homme a répondu gaiement, ce que Kelly a trouvé étrange dans les circonstances. Je suis là pour vous aider un peu ma chère dame. Que veux-tu dire? Demanda Kelly, s'impatientant un peu. Les épreuves à venir ne seront pas faciles, vous aurez besoin de votre force. L'homme écarta les bras et un éclair de lumière aveuglante remplit la zone. La force de Kelly a augmenté de 5. J'espère que vous n'utiliserez le don du pouvoir qu'à bon escient. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Jonah. Ce qu'on peut faire pour les autres? C'est utile ça? Ah mais je suis content. Ça, c'est un petit bonus que j'avais jamais fait lors de ma première game. On peut juste faire le faire pour Kelly. C'est triste. L4. L5. De contrôle. L5. Mais y'a quoi la centrale de contrôle? Jonah a trouvé un ERB de mise à niveau. Vous avez trouvé 250 pièces. Rose a empoché les pièces. Centrale de contrôle. Étale de l'eau. Étale de l'eau. Mais entrée et sortie. Oh, salut Rose. Votre numéro de chambre est le...
inutile d'essayer de franchir cette porte. Vous devez absolument être un employé pour entrer, c'est un système de sécurité à toute épreuve. Je devrais trouver un autre... Ah putain, il nécessite une carte clé pour s'ouvrir. Où pourrais-je trouver ça? Je suppose que personne ici n'envisagerait d'aider. Il est inutile d'essayer... Je devrais trouver une carte clé pour pouvoir passer la porte de... Ce vaisseau est génial, j'aimerais juste... J'ai perdu la carte clé de mon employé. J'ai dû le déposer dans le salon des employés. Je ne peux pas remonter tout là-haut pour le récupérer, trop dangereux. Mais nous, on peut... minutes et 9 secondes. T'es pour savoir le temps de jeu. Un employé rogue, fuyez. Nous nous sommes arrêtés net. Des voix, nous avons entendu des voix à notre droite. Victory, Pierre Chirène. Victoire, victoire, victoire. Pas encore monsieur, nous ne sommes pas sortis du navire d'Ijadan. Ne devrions-nous pas nous diriger vers une capsule de sauvetage? Oh, non Pierre Saïd. Nous allons rester jusqu'aux dernières minutes avant l'explosion du navire. Nous n'allons pas échouer. Je ne fais pas d'échec, Jadan, tu le sais? Oui, monsieur, dit Jadan. Mais quand j'ai signé pour ce travail, je n'ai pas pris en considération la mort potentielle, Jadan vint. Tu n'as pas. Tais-toi, imbécile, cria Pierre. Si vous êtes content de voir toute cette opération déjouée simplement parce que vous voulez vous sentir en sécurité, alors laissez-moi vous tuer maintenant afin que vous n'ayez pas à vous inquiéter. Est-ce que je suis clair? Eh bien, je racle? Oui, monsieur, Jadan a mordu. Bien dit, Pierre, sa voix revenant à son ton doux maintenant. Maintenant, je vais m'occuper des choses dans ma cabine, tu pars d'ici. Dirigez-vous vers le fond du navire et attendez que je vous contacte. Pierre quitta le salon, laissant Jadan là, les mains dans les poches. Avant que je puisse l'arrêter, Kelly s'est déplacée devant nous et a commencé à crier. Jardin. Traduction, Jadan. Ok, ça le traduit, jardin. Traduction. Jadan égale jardin. Et, par ici. Jadan a tourné son visage vers nous. Son visage est devenu blanc. Es-tu heureux, demanda Kelly. Êtes-vous heureux de ce que vous êtes devenu? Pourquoi détestes-tu autant les alphelins? Vous vous souvenez des bons moments que nous avons passés ensemble, il y a toutes ces années? Vous souvenez-vous? Il était silencieux. Après quelques secondes de silence, il tourna la queue et courut aussi vite qu'il le pouvait. Et, toi, reviens ici, Kelly bafouilla. Il était parti depuis longtemps. Il se dirige probablement vers la chambre basse. Nous devons trouver la carte clé. Quoi, tu veux dire ça? Demanda Gabriel en brandissant une carte. Oui, dis-je lentement. Comment as-tu? Il est tombé de la poche de cet homme quand il est parti, expliqua Gabriel. J'ai pensé que nous pourrions en avoir besoin, alors je l'ai ramassé. Et qu'est-ce que tu sais? C'est la carte d'employé. Merci Gab, j'ai dit. Nous ne l'avons peut-être pas repérée. Pas de problème, dit Gabriel. Jonah a trouvé une carte d'employé de Paladin. Jonah a rangé la carte d'employé du Paladin dans la poche très azur. Un employé fuit. Jonah a trouvé un chandelier. Jonah a rangé le chandelier dans la poche très azur. Un emploi.
Un an. 257 sur 257. J'ai amassé toute une collection d'objets de valeur. Sélectionnez un élément. Level URB, 10 000 coins. Miracle médical, 200 pièces. Potion de guérison. Level URB, 10 000 coins. Voilà, ici vous pouvez acheter des objets. J'en ai acheté de mon côté. Je enregistre. Sauve. Un emploi. Information sur le jeu. Non. Jonah a trouvé une poussière. Fuis. On va s'arrêter ici. Pour cet épisode, je pense qu'on en a... Je pense que ça va être assez pour aujourd'hui, hein. Alors, on va se quitter sur ce son d'ambiance que j'adore. Oh, 27. Alors, on va s'arrêter ici pour Mélangeur cet épisode. On a pas mal avancé. On a eu plusieurs combats assez compliqués, hein. J'espère que vous aimez encore autant de jeux, moi, comme j'ai dit. J'aime bien. On approche vraiment de la fin, là. 2-3 épisodes, tout au plus. On termine pas le let's play la prochaine fois. Peut-être pas l'autre d'après, mais c'est sûr dans 3 épisodes, c'est fini. Donc, moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, verrouillage majuscule la tournée. Verrouillage curseur de volume pour mi-barre oblique. Pour le reste, moi, je vous dis bonne matinée, après-midi, soirée. Aussi, appétit et bonne nuit. Et moi je vous dis bye. Propriété commande paramètres mode stud démarrer arrêter l'enregistrement gaz à cocher.